Yo aujourd'hui nouvelle vidéo sur Fortnite mais juste avant de commencer n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et le petit pouce bleu. Je vous invite à tous entrer le code créateur FintexB dans la boutique Fortnite en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose et bien sûr bonne vidéo. Mais comme tu peux le voir, j'ai des tes cadeaux sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin, un plano ou une bon Pour cela, c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, tu as juste à poser un petit pouce bleu. Et bien sûr, tu vas mettre le code créateur fintexbe dans la boutique Fortnite. Hashtag AD. Et une fois que tu as fait tout ça, tu dois juste mettre ton pseudo Epic Games 4 dans l'espace commentaire. Et bien sûr, une fois que tu l'auras commenté, je à t'ajouter tous les vendredis pour voir si t'as gagné ou pas. Un petit cadeau dans la boutique Fortnite. C'était Fintex. juste te une bonne chance et une bonne vidéo Wesh ouais, tout le monde c'est je Fintex, j'espère que vous allez bien bien écouter pour un part vraiment super bien comme vous avez vu au titre en nature de la vidéo aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne youtube et comme d'habitude juste avant de commencer la vidéo si vous êtes nouveau ou nouvelle n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne youtube avec la petite cloche de notification je vous invite aussi à poser un petit pouce bleu ça me fait vraiment super plaisir comme vous avez vu au titre aujourd'hui simplement vous présenter comment payer 7 bucks vraiment moins cher alors ce tuto fonctionne uniquement pour pour les joueurs qui possèdent une xbox et pour les joueurs xbox on va tout simplement juste commencer maintenant alors premier état vous allez vous rendre dans le premier lien qui sera mis en description et là ça va être simplement vous remettre sur le site xbox store checker si vous trouvez pas le lien je vous invite à écrire sur google xbox store checker une fois là venu vous allez voir une game dlc là vous allez écrire fortnite Après, vous allez rentrer et là, simplement, vous allez voir 1000 VBEX, 13500 Bucks, 5000 Bucks, 2800 Bucks. Exemple, moi, je sélectionne 1000 Bucks, je fais sale Price. J'attends quelques secondes et là, simplement, j'ai tous les prix de tous les pays différents. Exemple, en Turquie, ça coûte 3 euros pour le prix de 1000 bucks Exemple, là, je fais View. Ça me ramène sur le Xbox Microsoft. Et du coup, c'est vraiment très important. Vous allez cliquer ici, Turquie. Et là, tout simplement, vous allez avoir le site 1000 Papel, ça s'appelle comme ça. Et du coup, là, tout simplement, vous, vous allez ouvrir encore une fois une deuxième fenêtre du Xbox Sword Checker. Et là, tout simplement, vous allez revenir là. Et là, vous allez cliquer sur Xbox Live Cards. Et là, tout simplement, vous allez voir, exemple, vous allez prendre la valeur que vous avez pris euh, turc. Du coup, c'est 3,41€. Et là, vous allez voir là, MTC Game, vous allez cliquer dessus. Et tout simplement, vous allez voir si vous avez trouvé la carte d'une valeur de plus de 3 euros du coup en Turquie, je sais pas ça fait combien. Comme vous pouvez le voir ici, malheureusement, il n'y a pas de carte. Alors je sélectionne un autre pays. Exemple, au Brésil, ça coûte 4 euros pour 1000 V-Bucks. Du coup, ça me ramène encore une fois sur le site de Xbox. J'ai fait Brésil, Portugais, Cal. Elle a simplement 1000 V-Bucks pour 25 RS dollars. Et du coup, là, je reviens sur l'Xbox store checker. Je clique sur exemple jeu des Malheureusement je des a, lui ne fonctionne pas. Du coup, on va partir à l'écrire jeu des a en dessus. Et là, j'écris carte Xbox Brasil. Du coup, je clique sur entrée. Et là, à moment, il y aura toutes les cartes de toutes les valeurs. Exemple, là, pour bien voir... une valeur de 30 euros les cartes, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est même pas 10 euros, 5 euros. Alors on va chercher ça. Du coup ici on a la carte de la valeur. On revient sur le site. Ça coûte 25 RS. On doit trouver une carte d'une plus grosse valeur. Exemple je prends la carte qui coûte 40 BRL. Et là je fais ajouter au panier. Du coup une fois venu dans le panier vous pouvez bien voir la valeur 9 USD. Et là je vais simplement continuer le shopping. J'attends le petit chargement. Du coup, ici, il y aura tous les moyens de paiement. Vous pouvez sélectionner par PSF carte, PayPal, euh, par carte de crédit. Du coup, de ce je vais passer au paiement. On se retrouve juste maintenant. Du coup, de ce point-là, je vais passer au paiement. Et là, je fais ce, OK. J'attends le chargement. Du coup, ça me ramène ici. Là, je fais Somme OK. Et du coup, de ce point il y aura les codes qui vont apparaître. Je copie les codes. Je reviens sur le site pour acheter les 1000 V-Bucks. Là, je fais Comprar. Et là tout simplement, ça va me connecter à mon à votre compte Xbox Live. Du coup là je rentre mon mot de passe. Et là je fais entrer Et du coup moi je reste sur le store. Et là tout simplement je fais restante. Là je mets... Du coup ici je rentre ça. Et là je mets enregistrer une autre carte cadeau. Parce que j'avais déjà fait ça juste avant. Du coup là vous rentrez la carte cadeau que vous avez ajoutée. Vous faites avancer et là vous faites confirmer rare. Vous attendez le petit chargement. Du coup de moi on peut bien voir mon solde il coûte 42 euh, dollars euh, brésiliens du coup je suis comprar J'attends encore une fois le chargement. Et simplement moi ça m'a bien acheté les v bucks tiens moi je veux bien vous montrer que j'ai bien obtenu les v bucks. Du coup je pars dans mon compte historique des paiements historique des commandes j'attends le petit chargement et ça pour bien voir là j'ai ajouter 40 dollars brésiliens et j'ai payé la carte euh, 1000 bucks pour 21 pour même pas 6 euros. Du coup, j'ai payé la carte, je pense, usd euh, en euros, ça fait même pas 6 euros. Du coup, maintenant on se retrouve sur Fortnite pour vous montrer que j'ai bien obtenu tous les VBUX. Une fois que vous avez changé les codes et tout, tout ça fait sur le Microsoft, là vous allez ouvrir votre Xbox et vous allez simplement vous connecter à Fortnite. Du coup là je lance Fortnite et là tout simplement on peut bien voir les objets que vous avez achetés vous attendent. La petite notification qui apparaît juste en haut. Et à ce moment j'obtiens mes 1000 V-Bucks pour le prix de même pas euh, 5€. C'est vraiment incroyable. 3€, 5€. Alors je vous invite vraiment à tous vous abonner à la chaîne YouTube Code Creator fintech dans la boutique Fortnite. Et bien sûr, on n'oublie pas le, le petit abonnement, plus la cloche de notification. J'espère vraiment que ces petites vidéos sur un petit tuto pour obtenir des V-Bucks vraiment pas chers du tout sur Xbox Ça vous aura plu. C'était Fintech, Allez, ciao tout le monde